côté il y a un groupe qui montrait que c'est la violence yo quoi qui voulait pratiquer intolérance et qui voulait faire population en peur. Donc depuis situation ça a commencé à développer, tout le gouvernement mobilisé pour porter réponse qui nécessaire à différents niveaux. Les derniers actes de violence qui fait yo, toute population a tout gouvernement estimé c'est trois bâtons. Donc dans ce sens là la police déjà a ouvert une enquête qui a avancé. Le gouvernement a toute composante mobilisée pour qu'il prenne toute disposition pour freiner sa population en relais de la mort. Donc, dans ce sens-là, le CSPN qui fait sauter réalisé, on le voit, puisque je me dédie une dernière fois, ici, dans la primature, là, c'est la permanence en matière de sécurité pour que toute autorité continue à avancer dans le sens de jouer une solution à ce qu'il y a. Dans le premier temps, nous avons un ministre culture et communication, le ministre Adel Henriques, qui va le faire toujours rappel à la mise en contexte nécessaire par rapport à ça que nous avons comme situation. Nous avons un chef gouvernement, Dr. Claude Joseph, premier ministre AIA, qui a placé nous dans le contexte nous aujourd'hui. Et nous avons un directeur général de la police, le commandant Léon Charles, qui va rassurer la population que la police n'a pas fait bac. D'ailleurs, il y a un élément nouveau qui commence à venir dans cadre enquête qui a mené, hein, puisque la police était déjà des données déjà sur des acteurs qui ont agi. Donc c'est pour montrer nous c'est toute équipe gouvernementale là qui mobilisée d'ailleurs sous instruction ferme président de la République là, son excellence Jovenel Moïse, pour que le problème ça y adressé une solution qui vient. Ministre de la Justice. Profiter de l'opportunité ça pour me présenter c'est parti à toutes journalistes qui là qui perdu un collègue dans l'événement que nous avons traité là. Sans ne pas entrer dans trop de détails pour ne pas nuire le déroulement de l'enquête là, mais nous allons dire exactement la position de la police là sous action criminelle. Ça. Mais m'a profité pour dire, depuis quelques semaines, la police a lui-même en tant qu'institution, ce soit à 4 bandits, nous avons perdu 2 inspecteurs divisionnaires et 3 policiers jusqu'à présent, nous avons cherché pour eux. C'est dans le contexte ça, que nous apprenons. Dans l'après-midi du 29, que le porte-parole du syndicat SPNH 17, ex-policier, il a été assassiné dans le 32. Nous déplorons un criminel, ça, assassinat ça. Parce que la police vole nous, c'est mener enquête, chercher les concernés. Et remettre la justice. Mais dans le cas ça spécifiquement, pendant que la police a fait une enquête, a vérifié sa passé, syndicaliste là, dans la matinée du 30 juin, de minuit à 1h, les bandits. Les bandits assassinés lâchement de simples citoyens qui t'a vaqué à l'occupation dans la zone de la caillou. Premier élément qu'elle a dit, c'est les alliés de Gervi Geoffroy qui concoctaient tuerie ça, fusillade ça. Et éléments qui commettent crime ça, il y a certains agents qui étaient identifiés, les gens paraissent dans la zone, dans la rue des Salines, côté de mon bar, côté de mon yokon, et à peine activité dans la nuit, et indifféremment, monsieur,
balayer tout le monde qui t'a passé. Tout le monde, jeune garçon qui t'a joué domino dans mon sac. Il est sorti sous les matins 3, il est rentré dans les matins 2, il est rentré dans les salines spécifiquement côté. Allié, il est assassiné. Il est balayé, il est progressé dans les matins 2. Viré dans l'Ouyakassia, c'est là, bab ou bab. Il a rencontré avec le journaliste là, et collègue. Il a assassiné, il m'a jeune gardé, jeune courrier. Apparemment, il a été identifié assassin. Et il a exécuté au final. Ça passe là. C'est 509, fantôme 509 qui fait. Je vais rappeler nous rapidement qui est fantôme 509. Dans l'époque, pays loc. Monsieur Sayo, armé, en uniforme, tu prends habitude pour terroriser la population. Un songer qui s'est passé dans le ministère finance, dans le ministère justice. Faes. Dans toute la rue Port-au-Prince, nous même en tant que journaliste, paisible citoyen depuis 509 dans la rue, tout le monde peur. Moi, je dis, en tant que directeur général, moi, je dis, avec policier, ancien policier, bandit, en uniforme, à terroriser la population, il faut une campagne. Effectivement, il faut une mesure pour une campagne. On nous songe, ça a passé 5 février 2021. Côté même élément, ça assassiné pour le CISWAT, Patrick Alouza. On nous songe, ça a passé le 22 mars. Pendant le policier, moi, même en tant que commandement, m'a essayé de remonter le moral policier avec 12 mars. En dit, ils ont frappé à nouveau. Et ils ont assassiné lâchement. Policier Pierre-Richard de Lubeau. Ces éléments de 509 ne sont pas à leur coup d'essai. La police a suivi. Et c'est un adhère que nous prenons déjà. Mais, crime qui cause, que vous permettez, dans la nuit du 29 au 30, moi-même en tant que directeur général, pas de chambre, penser que les citoyens haïtiens ont des capacités pour exécuter de paisibles citoyens avec une telle cruauté. 509, nous vivons sous nous déjà, nous avons dormi, nous avons assassiné fait, au lieu de quitter la justice fait travail. Nous allons être nous justice, même si peut-être nous, la police là, pays, communauté internationale, pas prendre ça dans mes noms, moi-même en tant que commandant chef, avec toutes les dernières ressources que j'ai gagné, tout le temps que j'ai gagné, toute information que j'ai collectée, m'a brûlé sur nous. Moi, j'ai pour devoir, moi, j'ai pour devoir, pour me stopper ce bain de sang. Nous commençons déjà, quel que soit côté dans le cachet, sur la planète là, dans le petit espace que nous gagnons, en tant que pays, comme citoyen, nous allons faire travail là pour nous donner une réponse. Et nous disons, il y a des gens qui disent, pour qu'ils savent rapidement, la police vient d'identifier l'assassin. Parce que les assassins ont toujours été connus. La police a suivi. La police a continué de suivre pour que, en dehors de toute activité qu'a faite pour semer le deuil et le trouble sur le territoire, pour la police avec
moyen que le gain, accompagnement, gouvernement, à Bali, continue à Bali, appui population, pour nous dire ensemble, en tant que société, c'est pas ça que choisir. En tant que société, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons un pays stable. Nous voulons un pays où chaque citoyen est embarqué à l'occupation. Le rôle de la police, c'est pour les servir, même dans les conditions les plus difficiles. Les policiers, c'est le dernier monde qui peut camper. Les policiers, comme premier protecteur du citoyen, ils sont supposés camper. Et en tant que commandant-chef, tout autant que bien grâce à son dôme, par les dormi, nous avons collecté des informations pour que nous baillons famille des principes citoyens qui tombent, justice, traquez-moi ça, remettez-vous à la justice. Merci beaucoup.